pas. Si, ça y est, c'est bon, je stream. J'enregistre, pardon. Allez, Colux et son Zangief, venu tout droit de Toulouse. Le mec, il a traversé la France. La France pour faire de la bagarre, ça fait plaisir. Bon, c'est pas un match-up facile, clairement, pour Zangief. Quoique, je pense que Feilong, une fois qu'il se fait presser, ça doit être un peu, ça doit un peu sentir le fion quand même. Allez, Reka, deuxième Reka, la super. Ah non, ça va, il essaye de garder sa super pour plus tard dans le round. C'est vrai que l'adversaire est qu'à la moitié de ses HP. Ça peut être mieux rentabilisé que ça. Attention au 3-6. Ah, dommage, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Colux? Il s'est raté. Allez, bien joué, stand LK. 3-6. Premier round, ouais, pas mal pour le Zangief de Colux. J'en sors bien. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Hein. Je vous demanderai de pas faire de commentaires sur ma chevelure absolument dégueulasse. Allez, 3-6 maintenant. Les mix-ups, sauce splash. Dommage, pas de 3-6 derrière. Une espèce de temporisation. Il a tendu un dragon de la part de Balcor qui rate son combo et qui perd le round. Bien joué, 1-0 pour Colux. Là, typiquement, je pense que Balcor il a fait un petit point cancel Reka et que derrière il a pas pu mettre de deuxième Reka derrière. Ouais, Colux hier il a tué 2-3 personnes aussi à la soirée Arcade Club. Donc c'est assez cool. Ouais, on continue. Je pense que c'est le dernier parce qu'on va arriver à 14h. Bah là en fait non, vu que ça de toute façon je vais intégralement après les rediffuser, je vais pas faire de timestamp en fait. Ça sera une vidéo FT5 Colux Balcor, une vidéo FT5 Zargat machin. Ouais, en fait à chaque fois je fais un découpage, à chaque fois j'arrête l'enregistrement et je relance l'enregistrement. Ouais, c'est plus simple. Allez, on continue là. Il est bien dans son match cette fois, Balcor, qui va sûrement l'emporter, à moins qu'il fasse une schnapserie, Colux. Un décalage 3-6, un saut vide 3-6, quelque chose. Aïe! Bien joué, c'est la très très bonne réponse, effectivement. Le stand LK qui sort comme une mitraillette en fait, si vous le double tapez. Ouais, c'est très très puissant, c'est un très bon outil anti-air, un anti-agression au total quoi. On dirait un coup de Vampire Savior anti-air dash. Ouais, c'est vrai qu'il a aussi fait... Enfin là on est des joueurs du X-Mania aujourd'hui de toute façon. Bonjour. Ça va Fighter? Fighter, notre joueur de Vampire Savior aujourd'hui. Tu pourras faire dans pas longtemps un match sur Vampire? Sur Vampire contre Pascal. Ah oui, bien sûr, bah de toute façon, donc là... Toi, le temps... Ouais, moi j'arrête le... Pas le stream, mais j'arrête les commentaires à partir de 14h. Après il y aura du freeplay de 14 à 15 sur 2X, donc on fait pas de commentaires mais... Le seul match qui est jouable pour l'instant avec les absents et les gens qui sont occupés, c'est le match du troisième tour déjà entre moi et Vigor. Il y a un côté de l'arbre. D'accord, ça marche. Bah, je descends à 14h, je descends. Dac. Voilà, j'ai pas vu la victoire. Bon, victoire de Balcor, effectivement. Il a un point de plus que son adversaire, donc c'est qu'il a gagné. Un partout, bien joué. Revenu dans le match alors, Balcor. Bien joué là, 6 hits combo sans problème. Pression à l'infini. Ah, ça devient compliqué pour Colux. C'est bien fait presser sur ce round là, sur les 30 premières secondes. Ah, il se fait presser Eureka, bien confirmé. Et là, il n'y avait pas combo, tiens, bizarrement, entre le. Il y a eu un trou à un moment. Allez, Balcor, assez tranquille quand même là, il a bien repris l'ascendant sur l'adversaire. Ce saut de repli petit point qui touche cross-up, overhead pardon. Allez, maintenant c'est parti, il a l'avantage maintenant, la position, les cross-up. Reversal shop, bien joué là de Feilong. Ah, encore un 3-6 là qui se fait casser direct par un dragon. Il a le reversal dans les doigts, hein, Balcor, sans problème, alors qu'il a pas de borne le mec. Le mec il dose sur Fight Cade, il a déjà les réflexes sur la borne. C'est beau, ça fait plaisir. Allez, 2-1 pour Balcor. Allez, zoning au bas gros point, hein. une des meilleures armes de Feilong. Allez, à Mondragon maintenant le pressing, bien joué, reversal 3 points, c'est très très dur à faire ça quand même.
Ah dommage, là, il retombe dans la super. Il a dû partir plutôt en diagonale vers l'avant. Ça aurait permis de passer dans le dos et de mettre peut-être une punition balayette ou un truc comme ça. Allez, juste une touche là pour Colux. Juste une touche. Aïe aïe aïe. La main verte punie directement par petit point, Reka 3 points. Ça fait mal, c'est une très très bonne punition ça de Balcor. Alors qu'il était au zéro vital absolu. Allez, maintenant les mix-up, toujours devant, sans problème. Bon pressing, 3 points. Hey. Ah putain, bien joué les combos! 8, ça fait très mal psychologiquement. C'est sûrement leur round qui vient de s'envoler pour Colux. Allez, Colux peut toujours revenir. Hein. 1-3-6, une phase, 1-3-6, la mort. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Il y a des jolis combos en plus à vous offrir là sous vos yeux ébahis. Du très très bon Balcork aujourd'hui, du Balcork olympique. Voilà, un homme qu'on ne voit jamais, Combo Fate. Bienvenue Combo Fate. On fait des petits FT5 là. Les Russes. Hein ? Ça joue les Russes. Ah, ça joue la Russie, hein, c'est beau. Hein. La Russie contre Hong Kong. Allez, bien joué, ce gros point là, ça touche tellement loin, mais derrière ramasse le site de base sur une ouverture assez sèche. Overhead, dragon, dommage dragon qui whiff. Et maintenant les phases, c'est Andelka qui whiff sur le startup du Chicken Wing. Oh, bien joué, ça c'est magnifique. Bas petit pied, 360. Le round qui s'était envolé. 50% de barre qui a disparu instantanément. Banshee Bot aussi qui vient d'arriver. Putain, ça fait plaisir là. On va vous offrir de ces matchs les gars. Ah, ça va faire super mal aux dents aujourd'hui sur le ranking de 2X. Je vous remets le lien vers le challenge. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé? N'importe quoi. Oui. Tu leur as acheté des chocolatines ce matin, j'espère. Non, j'ai pas acheté de chocolatines aux Toulousains. Non. Où suis-je? Dans quelle étagère? Ici, voilà. Je vous remets le challenge pour ceux qui voulaient revoir ce qui allait se passer aujourd'hui, à quel point ça allait taper très 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 fort. Allô, hein? Allez, pendant ce temps, Balcork a pris le match, a pris le round, pardon. Toujours 3-1 dans ce défi FT5, Balcork Colux. Allez, pressing à l'infini. Allez, bien joué, 3 est bien confirmé. Le pressing direct sur gros point. La garde était bonne du côté de Colux, mais derrière, il va ramasser la super en juggle après ce chicken wing. Bonjour, monsieur Banshee-Bot, bonjour. Bienvenue à la dose. Allez, 4-1 pour Balcork. Qui va arriver bientôt à la balle de match. Morat. Bon, en fait, il y aura peut-être encore des FT5 après. On va peut-être continuer après 14h des FT5. On va bien jouer la juggle, 5 hits, ça tue sur la super. Zargat, il va me remplacer. Moi, j'ai 2-3 matchs à jouer sur d'autres jeux. Vampire Sevior, Karnov peut-être aussi. 3.3. Allez, saut gros pied vertical. Ah, il aurait pu mettre un deuxième chicken wing. Ah, dommage, il n'avait pas de 3-6 derrière ce stand LK. Allez, chope 3-6 là. Ah, où était le 3-6? Bien joué, reversal 3 points. Il les sort très très bien les reversal 3 points, c'est vraiment pas facile à faire. Alors 3 points ou 3 pieds. En fait, il faut glisser les doigts sur les deux. Il faut passer de point à pied en glissant bien les doigts sur les 3 boutons en même temps pour augmenter les chances de reversal. C'est très 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 dur à faire. Mais ça se fait, autant avec Klo qu'avec Zangief. C'est une mécanique à bien maîtriser pour se relever un peu safe. Allez, Reka. Kaku à l'infini, la super là qui finit de pousser à ça dans le coin, de pas mal gratter la barre. Ah, il peut revenir Colux sur une petite phase. Oh, bien joué le HK qui vient casser le startup du Chicken Wing. Ah, il peut prendre un deuxième match Colux. Ah, dommage, il n'avait pas la garde sur le troisième. Et là, il va se faire gratter à l'infini. Victoire de Balcork dans ce FT5, 5-1. Voilà, 5-1 pour Balcork. Alors, Zargat, je vais lui laisser la responsabilité de lancer d'autres.